Bonjour à tous et à vous toutes. Je vais vous montrer quelques exemples, parce qu'il y en a des centaines hein, sur Facebook, de fausses pages avec des faux concours et faux gains. Donc, avec plusieurs possibilités d'arnaque. Donc, la plus courante, déjà en priorité, c'est les faux gains. Donc, on vous appelle surtaxé. On vous dit que vous avez gagné, mais qu'il faut confirmer en appelant un numéro surtaxé, mais que soi-disant les frais sont pris en charge, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça, c'est la première arnaque. Sur certains, vous avez deux, voire trois arnaques en même temps. Donc, vous avez en plus, on vous dit de vérifier si vous avez gagné, on vous dit que vous avez perdu, mais que vous pouvez participer à un concours. Et là, on vous dit que vous avez gagné un téléphone. Il faut payer 1 € de frais de livraison. Et en fin de compte, quand vous rentrez votre carte bancaire, ça vous abonne à un abonnement bidon, donc avec un prélèvement allant de 50 à 80 € par mois. La troisième escroquerie, c'est une des pires que j'ai trouvée sur certaines pages, un lien pour récupérer vos identifiants mot de passe Facebook. Voilà, donc faites très attention. Je vais vous faire un petit défilé de ce que quelques-unes. On peut voir que certaines photos sont utilisées sur plusieurs sites, ça, les mêmes escrocs en fait qui ouvrent plusieurs comptes. Là, on peut voir une fausse page officielle, ce qui n'est rien d'officiel puisqu'il n'y a pas le sigle officiel à côté, avec le sigle, enfin le logo qui est mal centré en plus. Bon, il y en a beaucoup hein, en Thermomix. Voilà. Et des photos qui sont souvent utilisées sur plusieurs sites avec des noms différents. Voilà, tout pour la cuisine, par exemple, avec encore un Thermomix, cuisine ustensile, pardon, toujours les Thermomix. La boutique des Thermomix TM5 qui elle aussi est une fausse page. La boutique cuisine, là on voit que le photo de profil a déjà été utilisé pour une autre page. Vous voyez, encore des photos qu'on retrouve encore. Voilà. La boutique des saisons. Cuisine ustensile. Voilà. Voilà donc quelques exemples. Donc, méfiez-vous de toutes ces fausses pages, faux concours. Ne vous fiez pas, là, par contre, au nombre de personnes qui likent ou qui partagent, parce que sur certaines, ça peut être des milliers, jusqu'à 150 000 pour certains partages, j'ai pu remarquer. Faites très, très attention. Et si on vous contacte par MP en vous disant que vous avez gagné, qu'il faut appeler un numéro surtaxé, bah, laissez tomber déjà. Si on vous dit de vérifier si vous avez gagné, qu'on vous dit que vous avez perdu, mais que vous pouvez participer à notre jeu et que vous gagnez un téléphone où il faut payer 1 € ou 2 €, laissez tomber aussi, c'est une arnaque avec un abonnement bidon. Voilà, donc faites attention à vous et arrêtez, SVP, ne partagez pas toutes ces publications. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.